Manifestation à Ouagadougou contre la présence française au Burkina Faso. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! France par un du terroriste dégage son lit dans des pancartes brandies par des manifestants. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées samedi à Ouagadougou pour protester contre la présence de la France au Burkina Faso, appelant à une grande mobilisation le 12 août, a constaté un correspondant de l'AFP. Le rassemblement s'est déroulé devant le mémorial érigé à la mémoire de Thomas Sankara, ex-président burkinabé progressiste, assassiné lors d'un coup d'État en 1987 fomenté par Blaise Compaoré, proche de la France jusqu'à sa chute en 2014. Les protestataires ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « France par un du terroriste dégage, tous ensemble pour la libération du Burkina Faso, France impériale, tirant sans suite dégage » ou encore « Non aux accords de coopération avec la France ». Nous dénonçons les accords de partenariat économique, l'installation des détachements et des bases militaires sur le continent africain et exigeons le départ de la base militaire de Kabwaze, nord-ouest de Ouagadougou, la fin de la convention d'assistance technique et des accords de coopération avec la France, a déclaré Moni Yelikam, président d'une nouvelle coalition d'organisations rassemblées au sein du Mkran Dabaoubo, du nom d'un ancien empereur Moussi qui s'était opposé à la France au XVIIe siècle. La France arrive de façon misérable à son ancien empire colonial africain dont elle ruine, exploite à soi les ressources, allume des foyers de terroristes et alimente des guerres et des génocides, a-t-elle ajouté. Nous sommes une nouvelle génération et nous avons pris conscience de notre histoire et sommes déterminés à nous assumer et mériter notre indépendance, à travers plus de liberté et de vérité, a de son côté affirmé Sayuba Kindo, membre du Mkran. Ce mouvement a lancé un appel à des manifestations nationales le 12 août pour exiger la fin de la politique française sous toutes ses formes et le départ de l'ambassadeur de France. La France est puissance coloniale au Burkina Faso, dispose d'une base militaire à Ouagadougou et son aviation intervient régulièrement depuis le Niger voisin, en soutien des opérations de l'armée burkinabé contre les djihadistes. Le Burkina Faso, des militaires ont pris le pouvoir en janvier en promettant de faire de la lutte anti-djihadiste les priorités, est confronté comme plusieurs pays voisins à la violence des mouvements armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. Et bien, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye!